un mouvement spontané, un mouvement révolutionnaire. C'est un mouvement spontané, la contestation par la violence. C'est historique et c'est révélateur, la température va encore monter. La première bataille, les premiers pavés, les premières grenades, la première barricade. 2002, date d'importance en France, où le peuple a passé toutes ses espérances. Tous les yeux sont rivés, enfin mais c'est l'échéance, pour enfin savoir qui va être élu à la présidence. En cette période chaude, en vue des élections, les médias aiment, t'as excité l'opinion. Par des sondages, des débats, nous de l'information. Les partis pavent à l'épée, t'as imposé leur position. Premier tour, déjà le conformisme a triomphé, puisque par millions, ils ont décidé de se prononcer. Par les urnes, peuvent-ils vraiment avoir le pouvoir qui leur permettra de sortir le pays du cauchemar. Les résultats tombent, beaucoup sont survoltés. Pourtant le vainqueur est depuis toujours désigné. Le septennat suivant ressemblera au précédent. Et dans ces temps, rien n'aura changé, excepté le président. Au second tour, le but n'est pas de voter pour, mais contre le pire des deux derniers discours. À la vue des promesses, la nation va se redresser et prendre de vitesse les signaux de détresse et répartir le pouvoir. Les pertes et les espoirs, les pensées écoutées, s'appliquer à faire valoir les droits de chacun suivant une justice égalitaire. Supprimer par eux-mêmes les grosses putes des ministères. C'est un mouvement spontané, un mouvement révolutionnaire. C'est un mouvement spontané, la contestation par la violence. C'est historique et c'est révélateur, la température va encore monter. La première bataille, les premiers pavés, les premières grenades, la première barricade. Le temps n'est malheureusement pas garant pour le pouvoir de l'ordre international sur lequel il compte s'asseoir. Profiter de la personne humaine dans les domaines politiques, économiques, sociaux du système. Car le peuple sort petit à petit de la léthargie, entretenu jusqu'aujourd'hui par les idéologies qui nous poussent à consommer sans cesse, à produire dans le stress, à vivre tenu en laisse. D'exister en tant que chiffre, perpétuellement joué en bourse par des gros bourges ivres de fric. Le prolétariat l'a bien compris, bien déterminé, exterminer tous les pourris. Tout se passe très vite, en quelques heures c'est l'action. L'étincelle, on ne sait plus laquelle déclenche insurrection. À présent, c'est au parti des oubliés de s'exprimer. Face aux flics comme leader, il parcourt la rue armée. Jeunes de banlieue révoltés, gauchistes et libertaires. SDF sans papiers, chômeurs qui perdent en guerre. Certains d'entre eux n'ont sûrement aucun idéal, mais tous sont fermement décidés à y faire très mal. Et même si encore la majorité de la population reste alignée, passive, acceptant sa condition, elle ne peut ne pas s'entendre hurler sur le parvis. Ceux qui choisissent de mourir avec une espérance de vie. Le dialogue ou la bataille. Un mouvement révolutionnaire. Le dialogue ou la bataille. Fin du dialogue. Le dialogue ou la bataille. La contestation par la violence. Le dialogue ou la bataille. Fin du dialogue. Chacun a compris, ce sera la bataille.